Allez, let's go. Alors, vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition est de lui faire connaître l'enfer sur Terre. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible, enregistrez tout ce que vous verrez, mais vous n'avez rien d'un combattant. Alors, pour parcourir les horreurs de monde massif et de la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Mais gros, mais c'est horrible. Ok, donc là, on est le petit journaliste qui veut absolument tout savoir pour avoir son putain d'article de merde et qui est assez con pour aller là-dedans. C'est nous. C'est parti. Graphiquement, je suis étonné, c'est assez bien fait. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Et ça, c'est notre carte de presse. Ça, c'est la vision thermique. Déjà, l'ambiance est incroyable. Pour courir, appuyez longuement sur Mage. Ah, ok, tu cours pas, c'est pas instantané, ok. On voit rien, c'est le but en fait. Prends ton chasseur, c'est drôle ça. Attends, je vois mal ou c'est des véhicules de l'armée ça? On est d'accord que c'est pas normal de trouver ça dans un hôpital psychiatrique quoi. Ah, trop bien. Ok, en fait faut que tu filmes ce que tu vois d'anormal et du coup ton personnage crée des notes. Est-ce qu'on peut monter les échelles? Oui. Mirror Rage. Oh putain. Putain, mais déjà juste à peine tu rentres là-dedans gros, tu sens déjà la pression genre. La lumière qui saute. Ah, ça nique la batterie tellement vite. Attention, gros. Bon allez, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Moi je rentre comme ça en mode bas les couilles. Jusqu'à là c'est normal. Ta gueule, je te saoulais gros. C'est quoi ce bruit? Putain, c'est cliché. C'est du sang là? Oui. Ok, je ferme la porte. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Non. Ah ok. Bon alors ça les piles c'est cool. Ok, ah pas ok, faut recharger la caméra. Mais c'est pour la vision infrarouge. Si tu n'utilises pas la vision infrarouge, j'ai l'impression que la batterie ne descend pas. Donc là j'ai deux piles. Mais n'aie pas peur! C'est quoi ça? Je préfère pas savoir. Je peux prendre un coca? Non. Oh, tu peux prendre les conduits d'aération, ça c'est cool. Gros, j'ai trop peur en fait. Screamer, 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 screamer. Non, ouais. Ah, bonjour monsieur.
Screamer, 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 screamer. Ah. J'ai pas eu peur. On est contre, comment je suis fier. Oh, il est vivant. They killed us. They got out. The variants. Ah mais il est embroché. Fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ok. On voit R. J'ai le droit de mettre la luminosité à fond, les amis. Est-ce que j'ai le droit? C'est un cheat code, non? Un peu. Ferme la porte, ferme la porte. Il y a un mec qui arrive. J'ai un doute. Merci Amy. Ça marche pour faire peur? Non, ça marche pas. Merci Nostar, merci. Si je cours, je suppose que je fais plus de bruit et que il y a des endroits où faut mieux pas le faire. Attends, parce que là il y a plusieurs chemins. Ok, c'est fermé. Ça va Amy, ça va, ça, on fait aller. C'est un bras, oui. On trouve souvent ça dans les toilettes. Ok. Objectif. Enfin, je vais pas enquêter, je vais me casser maintenant. Le mec, il écrit vite quand même. Ah bah. Faut bien que t'aies une sorte de don, quoi. Little fake. Quoi? Ah! Double TV, streamer, 23 ans. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Il a plus de tête. C'est un truc là. Qui peut pas se cacher sous ce bureau. Pourquoi je joue à ça en fait? Genre qui a proposé ce jeu de fils de pute? Alors ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose. Non? Oui voilà. Putain il bouge.
Bonjour. Vous voyez, si c'était dans un film cliché, je regarde ailleurs, et quand je regarde, il est plus là. Ah non, mais je suis obligé d'y aller en fait. Au pire, je le pousse de sa chaise roulante et voilà quoi. Bonjour. Oh, des humains. Bonjour. Yo. Tiens gros, la musique. À mon avis, faut que je règle quand même ça. J'oublie que je suis journaliste dans cette histoire. On est à la porte quoi, c'est pas un canapé. Mais... Il y a un mec là encore. Il a l'air mort mais bon. La mort c'est surfait dans Outlast. Screamer, 100%, mais 100% je prends la carte, il y a un screamer. Ok, j'ai la carte du local. Screamer, screamer, facha. Non, ok. Il y a un chasseur à droite. Merci Nostar, je l'avais pas vu. Bon, du coup, je retourne dans le local de sécurité. Je vais refaire le chemin. Je suppose qu'il va y avoir un screamer. Attention. Un patient qui disparaît, non. En fait, j'essaye de penser à tous les scénarios possibles. Ah, lui, il va macro là. Bonjour, bonjour, bonjour. J'en étais sûr! Faites exprès les subs, c'est possible. Merci Mati. T'as les bulles d'NDR lol. Bon là ça a l'air d'être fermé. En courant vous pouvez jeter un coup d'œil. Oh ok. Ah ok, bah ça c'est, j'aurais préféré ne pas le savoir tellement c'est encore plus flippant quoi. Mais ce jeu mec. Il a avalé sa chic là, c'est ça. C'est bien parce qu'en regardant derrière, j'ai presque raté le screamer. Bonjour. Mais là il y a encore un bras. C'est commun dans les chiottes de trouver des bras de toute façon. Ça fait deux fois. Mais vous imaginez l'odeur là-dedans là ?
tu vomis quoi. Oh putain, ils se sont fait détruire. Hein. Il y a un truc. Ok, une pile. Je suis content. J'ai bientôt fini le jeu, les gens. Ça finit quand? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'ouvrir les portes. C'est quoi ce temps de chargement, gros? Screamer, voilà. Oh non. Oh non, non!